le vois. Eh, je le vois, je connais, hein. Marché Michelet. Et si j'ai failli être tué deux fois, Slimane, par les Français, les CRS. Voilà, marché Michelet. Et mon immeuble, l'immeuble antinéaire, regarde, regarde. Regarde mon immeuble là. Oui, là-bas. L'antinéen, et les garages sont là. Et là, l'immeuble antinéen. Et marché Michelet là-bas. Marché Michelet. Là, là, le deuxième arbre. Je me suis jeté par terre. Mais sans arrêt, ils nous ont tiré pendant moins 20 minutes. Il y avait un copain qui était couché avec moi par terre là. Il s'appelait Jean-Paul. Jean-Paul Convert. Ouais, c'est avec lui qu'on est parti. Voilà. La rue Alsace-Lorraine, mais ça, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Ça me dit quelque chose, ça, mais. Non, c'est nouveau, ça. C'est nouveau, ça, hein. Ça, je crois que ça existait déjà. Les kiosques, c'est bon. Ouais. 37. Rue Alsace-Lorraine. Et là, c'était une rue vivante, hein. Tu sais comment on l'appelait aussi? Je sais pas si c'est celle-là. Je... Bueno, comment están los pieds noirs? Que están aquí en Orange. Mira, cuando vienen los pieds noirs, como digo yo, cuando vienen los pieds noirs aquí a Orange, yo cargo las baterías mías. Sí. Se van bajando un poco. Este país es nuestro país. Sí, soy compatriota, hombre. Sí. Soy compatriota nuestro. Mejor que en Francia. Bien, hombre. Estamos aquí en nuestra tierra. Eso es la tierra vuestra. Sí. Tenéis una parte como nosotros. Sí. Es lástima que habéis ido porque los indios que estoy hoy yo con ellos no me gustan. Vosotros sí. Sí. Si quieres ser amigo mío, no tienes que hablar del general de Gaulle. Dale, hombre, déjame. Este es un cabrón. Este es un cabrón. Sí, un hijo de puta. Dale. Es un hijo de puta este. Plus fort, plus fort. Oui. Et si quelqu'un voulait de la nous serions là pour nous placer pieds. À nos amours, pour le pays et pour la vie. Et maintenant, nous allons en Sidi Belabès. Et là, avec notre escorte. Notre escorte jusqu'à Sidi Belabès. Oh, Nieto, Nieto. Dans quelle rue on est là? La rue d'Arzeux. C'est qui vous êtes ici? Oh mais c'est pas vrai, j'ai pas fait attention. C'est pas la rue d'Arzeux ça. C'est la rue d'Arzeux? Oh punaise. Ah ouais c'est vrai. Je me rappelais plus. Non mais si tu es nouveau, tu me laisses parler. Hein. Voilà. Rue d'Arzeux. Ça c'est les arcades. Rue d'Arzeux à Oran. Les arcades. Oui, je suis en train de filmer. Là, c'est victoire.
Voilà la place des histoires. La place des histoires. La place des histoires. Idéal, oui, oui, oui. Là, moi, j'étais dans le bus avec toi. On arrive à Sainte-Barbe d'Utlé là. Sainte-Barbe d'Utlé là. Il y a un arabe, un vieux, il a son petit-fils et son fils avec lui. Il le sort avec lui, lui il joue au poker, tout ça en train. Et son fils il a un problème d'urine. Il vient, lui dit bouya, bouya, pas une boule. Boule ça veut dire je vais pisser. Il laisse les cartes, il va, il amène, il va péper. Le soir quand il arrive, mon fils ne dit pas ça. Ne dis pas boule, ça fait bien. Il dit papa, comment tu veux que je dise? Tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas me dire je vais siffler et moi je comprends et je t'emmène. Comme ça, il n'y a personne qui comprend. Ah, ça. Alors c'est quoi il fait? Une fois son grand-père, il l'amène avec lui à la campagne, au Rio Grande par là, hein, dans la campagne. Et le gosse il s'amuse, il y a la rivière, il y a les bourricots, il y a les moutons. Le soir il s'endort fatigué et il dort. Et comme là-bas à la campagne, il dort. Tout le monde allongé comme des cartouchières là. Hein, comme non? Alors le soir il se lève, le gosse. Il cherche son père dans la tête, dans les tons. J'ai dit, grand-père, je veux siffler. Dis mon fils, siffler lui, pourquoi tu vas siffler? Tout le monde dit non. Dis non, je veux siffler. Mais tu vas pas laisser demain tu siffles. Dis non, je veux siffler. Dis tiens mon fils, siffle-moi dans l'oreille. Il se rappelait plus. Bon, comme douanier. Il voit un arabe qui monte du côté de le quai Beaupuis, où il y avait le Doxylone. Il montait avec une bicyclette et un panier derrière. Il dit, regarde-moi, cet arabe-là, c'est moi qui a quelque chose à voler. C'est des voleurs, ces dockers-là. Il dit, viens ici, amen. Viens ici, qu'est-ce qu'il y a là? Il dit, rien du tout. Il dit, comment rien? Mais non, attendez, monsieur, c'est pas rien. Et moi, j'habitais le Blanterre là-bas, la maison elle est tombée, elle est cassée. Moi, je prends toujours un peu de sable. Ah, oui. Une fois que j'ai fait beaucoup, comme ça, là, j'ai acheté un sac de ciment et j'ai réparé la. Il dit, qu'est-ce qu'il y a dans le sable? Monsieur, tu regardes, quand il met la main, rien. Et celui-là, il veut nous avoir à la longue. 6 mois en train de le suivre, rien. Une fois, les deux douaniers, ils sont mutés quelque part. Et ils se rencontrent, 10 ans après, à la place Kléber. Ils sont assis. Madame, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur. L'entrée de Sidi Bel Abbès. Il y a une place devant la porte. Ouais. Voilà, là, elle est là. Thank you.
Forza Barcelona.